Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de télévision Réveil TV. C'est bien sûr votre émission Le Retour à la Parole. Donc nous bénissons encore le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour. C'est une joie que de partager ces moments, de partager ces temps avec vous. Parce que nous croyons qu'à chaque émission, le Seigneur ajoute quelque chose à nos foies, à notre foi qui est commune. Donc, nous allons prier, recommander ces temps à la grâce d'Elohim, afin bien sûr que par son esprit nous assiste et nous conduise. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette émission, merci pour Réveil TV, merci pour les frères et les sœurs qui nous suivent. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole encore ce soir. Dépouille de nos cœurs les ténèbres. Ramène-nous à la lumière, Seigneur, que tu es, au nom de Yeshua. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, le mercredi de la semaine passée, nous avons commencé l'enseignement sur le combat spirituel. Donc, nous avons premièrement vu ensemble la définition du combat spirituel. On a vu deux définitions. Donc, on a dit que le combat spirituel était ce combat, cette guerre, cette lutte qui mettait en évidence deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume de la ténèbre. On avait notamment vu dans Genèse là-bas, on avait parlé de la malédiction que le Seigneur avait donnée à Ève, donc à Shava. Donc il a dit qu'il devait y avoir une guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc on avait vu que la femme dont il s'agissait, c'était d'abord Ève. On a vu que deuxièmement, la femme aussi représentait Israël qui avait mis naissance au Mashiach. Donc on a vu que la postérité de la femme, c'était non seulement d'une part le Messie, Yeshua, mais c'était aussi par extension l'Église. Donc on a vu que c'est une guerre qui va durer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et deuxième définition, on avait dit que le combat spirituel aussi, c'est le fait de combattre le bon combat de la foi. On avait pris notamment Timothée, Tite, Timothée, autant pour moi là où Paul disait, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Donc on avait vu aussi que le combat spirituel, c'était cette lutte, cette guerre acharnée pour garder, pour conserver notre foi. Et on avait aussi vu que le combat spirituel n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'on nous enseigne dans nos assemblées. On ne peut pas dédier une assemblée, on ne peut pas dédier un ministère, un service au combat spirituel. Ce n'est pas possible parce que comme on l'avait vu, le Seigneur à la croix dit tout est accompli, il a remporté la victoire pour nous. Donc nous combattons dans la victoire. Mais cette guerre, n'est-ce pas, est due à quoi ou est liée à quoi? Elle est non seulement liée aux prophéties bibliques, mais elle est aussi liée à notre foi. Parce qu'on avait vu que le combat spirituel commence lors de la nouvelle naissance. Donc lorsqu'on accepte le Seigneur dans nos cœurs, dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans ce combat spirituel. Donc Satan mettra tout en œuvre, tout en place pour nous faire chuter, pour nous faire sortir de la vérité, pour nous faire tomber dans tous les vices possibles. Et avec vous aussi, par la grâce du Seigneur, on avait parlé quelque peu de quelques stratégies. On a vu que Satan utilise des appâts pour nous faire sortir, n'est-ce pas, de la foi, des appâts. On avait dit que les appâts, n'est-ce pas, peuvent représenter d'une part ces choses que nous aimions par le passé. On avait aussi dit que les appâts, n'est-ce pas, peuvent nous parler de nos différents sens. Nos yeux, nos bouches, nos mains, nos toucher, l'odorat, tout ça là. On a vu que toutes ces choses peuvent être des appâts que Satan peut utiliser, n'est-ce pas, pour nous égarer. On avait aussi parlé, n'est-ce pas, notamment dans Jean 10, on avait parlé des plans, des projets de l'ennemi pour nous. On avait vu dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 11 que Satan a des mauvais desseins pour nous. Et on a vu dans Jean 10, n'est-ce pas, le verset 10, que ses projets étaient de nous égorger, de nous détruire, de nous tuer. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, on va poursuivre dans ce thème qui est vaste. Et juste préciser que même au bout des deux émissions, de trois émissions qu'on pourra faire sur le combat spirituel, ça ne finira pas. C'est un enseignement qui est vraiment vaste, qui peut être abordé sur plusieurs axes. Donc, on va poursuivre un tout petit peu ce soir. On va parler, n'est-ce pas, de l'organisation spirituelle. On va parler des armes spirituelles. Et on va parler de l'autorité que le Seigneur accorde à l'Église dans ce combat, dans cette guerre spirituelle. Donc, on va prendre comme ça un passage d'abord dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Donc, on va poursuivre d'abord un tout petit peu avec les stratégies que Satan utilise. Donc, on est bien sûr sur notre deuxième partie, sur le thème du combat spirituel. Excusez-moi.
Donc, on va prendre nos Bibles, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 5, on lira à partir du verset 8. Donc, on va parler des stratégies. On a dit de poursuivre les stratégies. On avait déjà vu les appâts, les pièges que Satan tend. Là, on va avoir une nouvelle stratégie que Satan utilise dans ce combat spirituel. 1 Pierre, 1 Pétros, chapitre 5, à partir du verset 8. Soyez sobre, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui en étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont excusez-moi, sont imposées à votre fraternité dans le monde. Merci les frères. Donc ici, Pierre va être clair. Il va dire, soyez sobre. Donc dans ce combat spirituel, dans cette guerre, on a besoin de sobriété. La sobriété nous parle de quoi? La sobriété nous parle, n'est-ce pas, de l'équilibre. La sobriété nous parle de quoi? La sobriété nous parle, n'est-ce pas, du contrôle de soi. La sobriété nous parle de quoi? Nous parle du fait de racheter le temps. Du rachat du temps. Donc il dit, soyez sobre et sage. Donc il dit, soyez sobre et veillez. Donc dans ce combat spirituel, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, pour ne pas que Satan nous détruise ou nous atteigne, on a besoin d'être un sobre et deux, on a besoin de veiller. Pourquoi veiller? On a besoin de veiller parce que comme la suite du passage le dit, que Satan marche. Dans l'autre version, on dit il rôde. Je préfère mieux cette version. Il rôde comme un lion rugissant. Et on sait qu'un lion qui rugit, un lion ne rugit pas, n'est-ce pas, pour caresser sa proie. On sait que lorsque le lion rugit, c'est parce qu'il veut dévorer sa proie. Donc, on apprend ici que, en dehors de Yeshua, qui est le lion de la tribu de Yehuda, il y a aussi Satan qui est un lion, mais qui est un lion dévorant, qui est un mauvais lion. Donc, on apprend ici, selon 1 Pétros, que Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, on apprend ici que dans le combat spirituel, dans la lutte spirituelle, Satan rôde autour de nous, Satan marche. Il cherche les proies. Et c'est qui ces proies? C'est bien sûr nous, les chrétiens. Donc vous voyez que Pierre, ici, qui a marché avec le Seigneur, nous apprend que nous sommes des proies pour Satan. Et à quel moment nous sommes véritablement des proies? Nous sommes des proies si nous ouvrons des portes. Nous sommes des proies, n'est-ce pas, si nous laissons Satan nous atteindre. Parce que le Seigneur lui-même nous appelle des brebis. Donc nous sommes des brebis. C'est la parole qui le dit. Nous sommes des brebis. Dans Jean 10, il a dit que nous sommes des brebis. Dans Matthieu 10, il a clairement dit que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Donc nous sommes des brebis. Et frères et sœurs, on est d'accord qu'une brebis face au lion ne peut pas tenir. Donc dans ce combat spirituel, si tu veux te battre avec tes propres armes, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu veux te battre, n'est-ce pas, avec ton intelligence et ta sagesse, tu ne pourras pas tenir. Parce que les brebis que nous sommes, nous avons besoin du bon berger pour pouvoir tenir dans cette lutte. C'est pourquoi il dit que ici, c'est pourquoi, n'est-ce pas, Pierre ou Pétros dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Donc, on apprend ici que Satan a une stratégie. Une autre stratégie de Satan pour nous atteindre, c'est l'observation. Il nous observe, il nous épie. C'est pourquoi, frère, ne nous agitons pas dans la marche chrétienne. Tu peux avoir 15 ans de vie chrétienne, 20 ans, tant que tu n'es pas mort. Ou tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, ne lève pas les mains au ciel pour dire Seigneur merci parce que tout est accompli, j'ai fini ma course. Non. Pendant 2 Timothée, quand il a dit j'ai combattu le bon combat, c'était un vieillard. Il accomplissait ses jours. Mais pour nous autres, au-delà du fait qu'on peut avoir 15 ans dans la foi chrétienne, le chemin est encore très très long. C'est pourquoi le chemin de la vie chrétienne, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité. Parce que Satan nous épie, il nous observe. Il peut prendre des années et des années pour t'observer. Il est comme un lion. Vous savez, n'est-ce pas? Pour ceux qui suivent le documentaire animalier, vous savez que le lion, avant de sauter sur la proie, il prend le temps d'observer. Il observe beaucoup. Il a une capacité, il a une patience terrible. Il observe. Il peut prendre des heures et des heures pour observer avant d'attendre que la proie, n'est-ce pas, est prenable. C'est véritablement la même chose avec Satan. Il nous épie, il nous observe. Quand il voit que ta vie de prière va bien, lorsqu'il voit que ta vie de méditation ça va, il peut replier. Parce qu'il sent que tu as du répondant. Mais quand il voit que tu commences à baisser un peu, là, il observe davantage parce qu'il sait qu'il peut t'avoir. Donc il rôde. Il tourne autour de nous. Il marche comme un lion. Et on apprend qu'il rugit.
Et on apprend qu'il cherche qui dévorer. Et comment faire pour s'en sortir dans ce combat spirituel? Il faut justement respecter les principes de la parole. Parce qu'au-delà de toute considération, il y a un périmètre spirituel que le Seigneur assigne à chacun de ses enfants. On a tous un périmètre spirituel que Satan ne peut pas franchir. Et frère, la sainteté, la consécration, l'obéissance sont des barrières spirituelles que le Seigneur met autour de nous que Satan ne peut pas franchir. La prière, la méditation, il y a autant de barrières que le Seigneur met autour de nous que Satan ne peut pas franchir. Mais lorsque ces barrières sont brisées, Satan, qui est le lion rugissant, peut nous atteindre, peut nous toucher. Donc ils sont en train de pardon, le combat spirituel des stratégies et de l'attitude à avoir. Donc Satan apprend ici qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. On a dit qu'il cherche. Il parcourt toute la terre. N'oubliez pas dans Job, n'est-ce pas? On dit que là où les enfants d'Élohim se sont réunis, là aussi les fils du malin sont arrivés. C'est terrible. Parce que justement, le Seigneur permet à Satan, n'est-ce pas, de nous épier jusqu'à une certaine limite. C'est pourquoi dans la façon de servir le Seigneur, il faut servir le Seigneur selon la force et la capacité que le Seigneur nous accorde. On ne doit pas faire des choses au-delà de nos limites. Parce que lorsqu'on veut servir le Seigneur au-delà de nos limites, on s'expose parce qu'on sort du périmètre que le Seigneur nous a assigné. Si les frères peuvent remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Le passage de 1 Pierre. Donc, on dit, il marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, une stratégie de Satan, c'est de nous épier, c'est de tourner autour de nous, c'est de rôder. Il attend simplement qu'on ouvre la porte. Verset 9. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Merci les frères. Donc ici, Pierre va nous donner un autre élément pour nous en sortir dans le combat spirituel, c'est la foi. Il va dire, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui en étant ferme dans la foi. Frère, pour ne pas tomber dans les mailles de Satan, au-delà de la prière, de la méditation, de la consécration, de l'obéissance, on a besoin d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui nous permet justement de nous approcher du Seigneur. C'est la foi qui nous permet, n'est-ce pas, de croire dans les promesses que Yeshua nous a faites. C'est la foi, n'est-ce pas, qui nous permet, comme Hébreux l'a dit, d'être agréable au Seigneur. Donc on a besoin de résister dans la foi. Pourquoi on doit rester justement dans la foi? Parce que comme on l'a vu, c'est notre foi qui est combattue par l'ennemi. C'est notre foi que Satan veut atteindre, c'est notre foi que Satan veut tuer dans ce combat spirituel. Donc voilà ce qu'on pouvait rajouter par rapport aux stratégies. Il y a plusieurs stratégies, n'est-ce pas, que Satan utilise pour nous épier, pour nous atteindre, pour nous détruire. Il nous observe. C'est pourquoi on a besoin d'être sobre, on a besoin de veiller comme la parole nous le recommande. Et notamment le vendredi, le mercredi dernier, on avait parlé, n'est-ce pas, de Matthieu 5, de Matthieu 6, je crois. Matthieu 5, oui. On avait parlé de quelques arbres, on avait parlé de l'amour, on avait parlé du pardon, on avait parlé de prier pour nos ennemis. Et je veux encore le repréciser, le combat spirituel n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on nous enseigne dans nos assemblées. Le combat spirituel n'a rien à voir avec invoquer le feu, lancer le feu à nos ennemis, invoquer, boire le sang de l'agneau, n'est-ce pas, pour avoir une protection particulière, non. Le combat spirituel n'a rien à voir avec haïr, détester nos parents, nos familles, nos amis qui sont sorciers ou qui pratiquent la sorcellerie. Le combat spirituel n'a vraiment rien à voir. Le combat spirituel n'a rien à voir avec se réveiller toutes les nuits à partir de 2h, à partir de minuit, à 4h du matin dans le combat, tout ça. Non, le Seigneur nous veut plus dans l'adoration parce qu'il a remporté la victoire pour nous. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait rajouter par rapport aux stratégies, n'est-ce pas, que Satan utilise pour nous atteindre. Donc là, on va aborder, n'est-ce pas, un nouveau point avec vous. On va démarrer avec la victoire, l'autorité, n'est-ce pas, que Yeshua nous accorde. Non, avant de démarrer avec cette partie, on va voir un autre élément. On va prendre Luc 22, chapitre 31. Luc, chapitre 22, le verset 31. Donc, on a vu ici comme stratégie que Satan nous épie, que Satan nous observe, il cherche à nous dévorer, n'est-ce pas, et que nous devons tenir ferme dans la foi. Donc, on va prendre un autre passage dans Luc 22 à partir du verset 31. Donc, on va voir un nouvel aspect du combat spirituel. On va parler des réclamations. Mais le Seigneur lui dit, Shimon, Shimon, ou Simon, Simon,
Voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Donc il dit, Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé. Verset 32, s'il vous plaît, les frères. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Merci les frères. Donc ici, voici un nouvel aspect du combat spirituel, les réclamations. Donc dans ce combat spirituel, Satan utilise les réclamations. Les réclamations nous parlent de quoi? Les réclamations nous parlent des alliances de famille, par exemple. Alors beaucoup parmi nous étions par le passé consacrés à des divinités. D'autres, c'est la sirène des eaux. D'autres, n'est-ce pas, c'est les démons de stérilité, les démons de célibat, les démons, n'est-ce pas, de d'ivrognerie, de bagarre, tout ce que vous voulez. De toutes les façons, tant que nous sommes, nous avions tous un passé. Nous avions tous été par le passé liés à des entités familiales, à des entités démoniaques terribles. Et donc, le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, justement, Satan va user de ses racines pour nous réclamer. C'est pourquoi quelqu'un par le passé qui était consacré à Mami Wata, il faut qu'il sache que dans sa foi chrétienne, le démon qui va le combattre premièrement, ce sera la sirène des eaux. Parce qu'il dit ici, Shimon, Shimon, Satan vous a réclamé. Donc dans le combat spirituel, il y a la notion de la réclamation. C'est quoi la réclamation? C'est quoi la réclamation, frère? C'est comme son nom l'indique. On réclame quelque chose qu'on a perdu. Et justement, nous appartenions à Satan. Parce que nous sommes nés dans le péché, dans la déviation, et nous pratiquions le péché. Le Seigneur, par sa mort à la croix, nous a achetés, sinon il nous a rachetés à un grand prix. Donc aujourd'hui, nous sommes la propriété du Seigneur, et Satan n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous réclame. Il veut que nous repartions à nos vomis. C'est ça le combat spirituel. C'est un autre aspect. Donc tous les chrétiens sont réclamés jour et nuit par les entités familiales, par les entités territoriales, par les entités, n'est-ce pas, de pays, par les forteresses. Un chrétien qui était esclave de la cigarette, cette divinité va le combattre tout au long de sa marche chrétienne. Et c'est important qu'on le réalise, frères et sœurs. Toi qui aimais tellement le sexe, tu seras combattu tout en masse chrétienne par le démon du sexe. C'est ça les réclamations. Mais est-ce que la réclamation c'est de la possession? Non. Satan peut nous réclamer. Par exemple, tu peux te sentir oppressé par la cigarette, pour ceux qui étaient esclaves de la cigarette. Tu peux te sentir oppressé par le sexe, pour ceux qui étaient esclaves du sexe. Tu peux être oppressé par le manque de pardon, par la haine, par la jalousie. Il y a tellement de péchés. Il y a tellement d'entités qui rentrent dans nos familles. Ils peuvent le Bouiti, le Djembe, le Djobi, le Melan, tout ce que vous connaissez. Là, on connaît toutes ces entités qui règnent. Lorsqu'on accepte le Seigneur, il nous détache. On va tout à l'heure prendre un passage. Prenons vite ce passage dans Colossiens chapitre 1. On va prendre et puis on va revenir sur le 1 Pierre. Donc dans Colossiens chapitre 1, je pense qu'on va lire à partir du verset 12. Pour comprendre pourquoi Satan nous réclame. Lorsqu'on accepte le Seigneur, il y a une action spirituelle qui s'effectue. On est transporté. Si les frères trouvent le passage, ils peuvent l'afficher. Je crois que Colossiens chapitre 1, on lira à partir du verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Merci les frères. Donc il dit, rendons grâce au Père qui nous a transportés, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Parce que nous étions dans la ténèbre. Il nous a transportés, il nous a délivrés, n'est-ce pas, du royaume de la ténèbre. Donc dans ce combat spirituel, on doit réaliser que par la nouvelle naissance, on était délivré du royaume de la ténèbre. Premièrement, on était délivré du royaume de la ténèbre. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? On était transporté dans le royaume de la lumière. On était transporté en esprit au ciel. Donc voici ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. On est transporté de l'enfer, de la géhenne, du royaume de la ténèbre au royaume de la lumière. Et nous sommes désormais appelés fils et filles de la lumière. Et Satan va tout faire pour nous ramener dans son royaume. C'est pourquoi le combat spirituel tient tout son sens. Et justement ici, Satan procède par les réclamations. Toutes les entités qui règnent dans nos familles vont nous réclamer. D'autres c'est l'adultère, d'autres c'est l'infidélité. C'est pourquoi chrétien,
Ce qu'on veut nous amener à dire, à comprendre, c'est que dans ce combat, il faut la prudence, il faut la vigilance, il faut la maturité. On est bon Dieu de dire que oui, le Seigneur a tout accompli à la croix, ne prions plus, ne méditons plus, ne gênons plus, n'est-ce pas, mangeons, dormons, soyons dans la chair, nullement. Ce qu'on veut nous amener à comprendre, c'est que le Seigneur nous a délivrés, nous a transportés. Donc on n'appartient plus à ce royaume. Donc on n'a pas de temps à perdre, n'est-ce pas, à prier, Seigneur, je réclame mon héritage, je réclame mon héritage, je vais dans le camp de l'ennemi, je vais penser que Satan a volé, quelque Satan a volé là. C'est ça en fait ce que nous amène à comprendre, notre position et notre identité en Yeshua dans ce combat spirituel. Donc il n'y a plus besoin de dire, Seigneur, mes enfants que Satan a volé, mon mari que Satan a volé, je le réclame. Satan ne peut plus, par la mort à la croix, le Seigneur nous a délivrés, Satan ne nous a plus rien volé. On doit maintenant comprendre que lorsqu'on est dans la foi chrétienne, lorsqu'on vit en marche dans la consécration, la sainteté, tout ce qui nous arrive, comme Paul l'a dit dans Romains 8, 28, concourt à notre bien, c'est le Seigneur qui permet. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas la malédiction, chrétien. Si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas la malédiction. Tant que tu vis dans la consécration, la sainteté, Satan ne t'a rien volé. Pourquoi? Parce qu'on n'appartient plus au royaume de la ténèbre. On appartient au royaume de la lumière. Attendez, frères et sœurs. Si nous sommes dans le royaume de la lumière, qu'est-ce que Satan peut nous faire ou peut nous dire? Rien. C'est ce qu'on vous amène à comprendre notre position, notre identité. Donc ne parlons pas du temps à combattre chaque nuit, chaque nuit. On va se réveiller. Je veux combattre. Non. Prions pour les âmes. Prions pour nos vies. Prions pour nos familles, pour la conversion. Mais ne perdons pas trop de temps à réclamer ce que le Seigneur nous a déjà donné par sa mort à la croix. Donc dans le combat spirituel, il y a la notion de la réclamation. Satan justement nous réclame parce qu'on ne lui appartient plus. Donc par toutes les entités, par tous les péchés qui nous tenaient captifs, il va nous réclamer. Donc Yeshua a dit à Simon que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc Satan nous réclame, il veut nous cribler, il veut nous détruire, il veut nous abattre. Mais regardez la prière du Seigneur. Si les frères peuvent répartir sur le passage. Regardez la prière du Seigneur. Est-ce que la prière du Seigneur c'était Seigneur, qu'il ne soit pas éprouvé, qu'il ne soit pas criblé, qu'il ne soit pas persécuté, qu'il ne soit pas oppressé, tout ça? Non. C'est dans Luc 22, 31. Si les frères peuvent nous rafficher le passage. On va voir la prière que Yeshua a fait pour son épouse, pour ses enfants. Verset 22. Verset 22, les frères, s'il vous plaît. Verset 32, autant pour moi, s'il vous plaît. Verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas te manquer. On va enlever le passage. Donc, la prière du Seigneur pour nous, c'est que notre foi ne défaille pas. C'est pas qu'on ne soit pas combattu. C'est pourquoi nous nous fatiguons pas à prier. Seigneur, je ne veux plus le combat. Seigneur, je ne veux plus de combat. Les combats font partie de l'héritage de la foi chrétienne. Le combat spirituel fait partie de l'héritage de la foi chrétienne. Donc ne nous fatiguons pas à nous lamenter. Seigneur, je suis trop combattu. Que les combats s'arrêtent. Je suis fatigué. Seigneur, je suis trop pressé. Le Seigneur a dit, je priais pour toi, pour une seule chose. Pour que ta foi ne vienne pas te manquer. Donc le Seigneur a fait pour moi prier pour que notre foi ne défaille point. Pour que notre foi ne perde pas, n'est-ce pas, de son espoir, de sa force, de sa vigueur. Donc l'une des armes que le Seigneur nous donne dans le combat spirituel, c'est la foi. Donc il dit, je prie pour toi, afin que ta foi ne vienne pas à te manquer. Alléluia. Donc ne prions pas pour que les combats s'arrêtent, les combats ne s'arrêteront jamais. Ne prions pas pour que le combat spirituel diminue. N'est-ce pas pour que Satan arrête de nous attaquer, il va nous attaquer, chrétien. Pour les chrétiens qui ne veulent rien faire pour le Seigneur, qui se disent, non, moi je préfère être un simple chrétien. Je pouvais être un homme chrétien, je me sanctifie, je mange, je dors pour moi, tout ça, je ne veux pas de combat, tu t'es trompé. Parce que le combat spirituel commence par la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes Yeshua, autant pour moi, tu entames le combat spirituel. Donc ce que Satan a contre toi, ce n'est pas d'abord l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, ce qu'il a d'abord contre toi, c'est ta foi. Donc le fait que tu aies accepté Yeshua, il n'est pas content. C'est pourquoi on a compris, c'est quoi le combat spirituel. Et on voit ici qu'il y a les réclamations. Pourquoi? Parce que Satan veut nous récupérer pour lui. C'est pourquoi il faut qu'on soit attentif. Il faut qu'on veille, il faut qu'on prie. Il ne faut pas qu'on soit dans la paresse spirituelle. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que les chrétiens oublient leur position, leur identité dans ce combat spirituel.
Faut pas que les chrétiens qu'on oublie que nous combattons dans la victoire. Le Seigneur l'a dit, que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés le premier. Donc frère, nous sommes de plein pied, n'est-ce pas, dans ce thème qui est véritablement intéressant sur le combat spirituel. Ici, on apprend qu'une autre stratégie de Satan, il procède par les réclamations. Et justement, dans ces réclamations, tu peux être oppressé. Dans les réclamations, tu peux sentir que tu as envie d'abandonner parce que tu es réclamé. Parce que ce n'est pas facile, mais le Seigneur veut que dans les réclamations, nous tenions ferme. Amen. Et lorsqu'on ne fait pas attention, on peut ouvrir des portes. Tu peux choper un esprit de mort, un esprit de cigarette, un esprit de haut, tout ça là. Lorsque tu ouvres une porte. Mais ce sont des influences. Ça ne veut pas dire pourtant que tu es possédé. Voilà. Un chrétien, n'est-ce pas, qui ne veille pas, qui ne fait pas attention, qui ouvre une porte, il peut ouvrir une porte par des mauvaises pensées, par la convoitise, par la colère, il peut recevoir un esprit. Ça ne veut pas dire quelqu'un de possédé. Non! C'est ça les réclamations, c'est ça les influences. Et pour encourager les chrétiens, on doit donc simplement veiller. Mais le jour où tu as ouvert une porte, qu'un esprit est rentré, on prie pour toi, l'esprit va partir simplement. Parce que tu n'es plus possédé, tu n'appartiens plus au royaume de la ténèbre. Le fait d'avoir un esprit n'est pas synonyme que tu appartiens au royaume des ténèbres, non. C'est la possession démoniaque. Et c'est différent. Alléluia. Si on le veille, on ne fait pas attention, on peut ouvrir une porte. Par la convoitise, par une mauvaise pensée, par un sentiment, par un ressentiment, par une colère, on peut ouvrir une porte, on peut recevoir un démon, un esprit. Et d'où l'importance de la prière. Et on prie pour nous, l'esprit va simplement partir parce qu'on n'appartient plus au royaume de la ténèbre. Mais lorsqu'on parle de la notion de la possession démoniaque, là, c'est autre chose. C'est une autre dimension maintenant. Où il aurait quand même fallu que le chrétien se retrouve à faire beaucoup de choses, à tomber plusieurs fois ou à tisser certaines alliances. Amen. Dans le combat spirituel, la réclamation est normale. L'influence démoniaque est normale. Dans le sens où, autour de nous, n'est-ce pas, il y a des esprits. On parle des esprits dans l'air. Ils sont là, ils veulent nous influencer, n'est-ce pas, pour nous amener à chuter, à pécher, tout ça là. Il faut garder le calme. Il faut garder la foi. C'est ça le combat spirituel. C'est une lutte. On parle de combat spirituel justement parce que actuellement, on est en train de parler sur un plateau, mes frères, en esprit, sauf si on nous ouvre les yeux. Il y a des démons qui sont là partout, qui sont agités. N'est-ce pas? C'est ça le combat spirituel. C'est pourquoi on a besoin d'être attentif, de veiller. Tu peux être là, tu commences à prier, le sommeil commence à t'attraper, mais tu penses que c'est quoi parfois? Alors que lorsque tu vas à tes occupations, tu n'es pas fatigué. Parfois, c'est justement un esprit qui est là, qui a soufflé sur toi, l'esprit de sommeil. C'est pas toujours le sommeil, mais parfois, n'est-ce pas, c'est pas toujours les esprits bizarres, mais parfois c'est eux. Parfois ça peut être lié à la fatigue, tu as beaucoup travaillé, tout ça, tu pries, tu es épuisé, tu t'endors. Excusez-moi. Mais parfois, frère, quand tu veux commencer à prier, méditer, tu sens que tu es toujours fatigué. Faut comprendre que là, le combat spirituel est acharné. Qu'il y a des esprits là, dans les parages, qui te soufflent l'esprit de sommeil. C'est ça le combat spirituel. Et c'est contre ces choses que nous devons lutter. Tu peux être là, n'est-ce pas? Tu marches convenablement, tu évolues dans la foi, mais tu sens comment tu es beaucoup oppressé par le sexe, oppressé par l'alcool, oppressé par l'argent, oppressé par des choses bizarres. Comprends que c'est le combat spirituel. Et là, c'est des réclamations, et là, c'est des attaques, c'est des esprits qui soufflent, qui envoient des flèches. Parce qu'on le verra. On le verra qu'il y a des gens enflammés que le malin envoie. On le voit tout à l'heure, on va bientôt rentrer dans les armes et l'organisation spirituelle. Amen. Donc on va aller dans 2 Corinthiens 6. On va lire à partir du verset 7. On est sur le combat spirituel. Donc on a vu, n'est-ce pas, les stratégies. On a vu comment Satan opère depuis la semaine dernière. Là, on vient encore de voir comment il opère. Il nous épie, tout ça là. Il procède par des réclamations, tout ça. Et on voit que... Il travaille par nos racines familiales. Il travaille, n'est-ce pas, par les principautés qui nous ont dominés par le passé. Donc, on va prendre, n'est-ce pas, 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 7. On n'est pas pressé. Là, on va entamer quelque chose de un nouvel aspect du combat spirituel. On va commencer à parler des armes. 2 Corinthiens chapitre 6, on va lire le verset 7. Si les frères peuvent remonter un tout petit peu. On va remonter pour une meilleure compréhension à partir du verset 4 pour une meilleure compréhension. Mais en toute chose, nous nous rendons nous-mêmes
recommandable comme serviteur d'Élohim. Dans une grande persévérance, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les désordres. Oui, dans les désordres, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bonté, dans le Saint-Esprit, dans un amour sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance d'Élohim à travers les armes de justice que nous portons, que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Merci frère. Donc ici, Paul nous parle des armes de justice que nous tenons à la main droite et à la main gauche. Donc là, on va entamer un nouveau point, on va parler des armes spirituelles. Donc ici, Paul nous parle des armes qui sont tenues à la main droite et à la main gauche. Mais dans notre version, on parle des armes offensives et des armes défensives. Pourquoi la main droite et pourquoi la main gauche? Parce que pour les droitiers, c'est avec la main gauche qu'on se défend et c'est avec la main droite qu'on attaque. On prend un cas simple. Vous êtes droitier, vous êtes sur un ring de boxe, sur un ring. La main qui vous permet le plus d'attaquer, c'est votre main droite. Et avec la gauche, n'est-ce pas, ça peut vous permettre d'esquiver, de caler les coups. Donc la main droite et la main gauche nous parlent de deux types d'armes. Les armes dites offensives et les armes défensives. Alors les armes offensives, c'est quoi? Les armes offensives, c'est toutes ces armes que le Seigneur nous a données pour attaquer le royaume des ténèbres. Donc l'offensivité nous parle de l'attaque. Alléluia. Dans nos combats spirituels, nous avons des armes offensives et nous avons des armes défensives. Et on le verra de long en large, de mieux en mieux dans Ephésiens 6, on va parler des armes. Donc les armes offensives, c'est toutes ces armes que le Seigneur nous donne pour attaquer. La prière est une arme offensive. Alléluia. La prédication de l'évangile est une arme offensive. La parole de la parole d'Elohim est une arme offensive parce que c'est l'épée. Dans notre contexte aussi, la prière est aussi une arme défensive parce qu'elle nous permet, n'est-ce pas, d'amortir les chocs spirituels. Le bouclier de la foi est une arme offensive. La cuirasse de la justice est une arme offensive. Dans l'expérience, comment spirituel fondement a réalisé que nous avons des armes offensives et des armes défensives. Les armes offensives, on attaque le royaume des ténèbres. Les armes défensives, on est sur la défense. On est sur la défense. Alléluia. Donc, c'est la première chose qu'on doit retenir concernant les armes. Nous sommes dotés des armes offensives et des armes défensives. Notre foi est une arme offensive, mais elle est aussi une arme défensive. L'épée de l'esprit est une arme offensive et aussi une arme défensive. On le verra tout à l'heure de long en large. Donc c'est la première chose. Dans ce combat spirituel, nous avons des armes que le Seigneur nous a données. D'une partie, à la main droite, des armes offensives pour attaquer. Et à la main gauche, des armes défensives pour nous défendre. Oui! Parce que dans ce combat spirituel, nous avons besoin d'attaquer, nous avons besoin aussi de nous défendre. Parce que Satan, on va le voir tout à l'heure, il est terrible. Il ne se fatigue pas. Vous voyez que de toute éternité, de tout âge, Satan ne se lasse pas d'attaquer les enfants d'Élohim. On est dans 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire à partir du verset 3. Donc là, on entame avec les armes. On a appris déjà que nous avons d'une part des armes offensives et des armes défensives. Mais on le verra de long en large par Éphésiens chapitre 6. On est dans 2 Corinthiens 10. On va lire le verset 3. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Élohim, pour la destruction des forteresses. Merci les frères, on va d'abord lever le pavé un instant. Paul est clair ainsi, il va dire, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi nous marchons dans la chair? Parce que nous sommes encore faits de chair, nous sommes des hommes physiques. Donc nous marchons dans la chair, nous marchons, n'est-ce pas? Les frères peuvent remettre, s'il vous plaît.
Voilà. Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Merci les frères. Donc nous marchons dans la chair parce que nous avons cette enveloppe charnelle et physique. Mais il dit que nous ne combattons pas selon la chair. Frères et sœurs, la preuve c'est que le combat spirituel n'est pas charnel. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine. Ce n'est pas ton grand-père au village qui est sorcier. Ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas lui ton adversaire. Parce que la preuve c'est que le combat n'est pas charnel. Ça veut dire que le combat n'a rien à voir avec des hommes faits de chair. Voici pourquoi on dit que le combat n'est pas charnel. Deuxièmement, le combat n'est pas charnel parce que ce n'est pas la bagarre. Comme ce faux pasteur, n'est-ce pas, qu'on voit sur le net, qui frappe des papas, des mamans de famille. Selon quoi la délivrance, pasteur karatéka. Il fait des chikis, des coups de poing, des coups de tête aux gens pour la délivrance. Ça, c'est de la sorcellerie, excusez-moi. On a des pasteurs qui bastonnent les fidèles, des coups de poing, des coups de tête. Le combat n'est pas charnel. Quelle délivrance voulons-nous opérer par des moyens charnels? Donc ici, Paul nous apprend que le combat n'est pas charnel. Que nos âmes ne sont pas charnelles. Les âmes charnelles, c'est quoi? Remettez un peu le passage des phrases, s'il vous plaît, un instant. Car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles. Merci. Revenons, on va enlever le passage. Car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles. C'est quoi les âmes charnelles? Les âmes charnelles, c'est la haine. C'est la méchanceté. Les âmes charnelles, c'est quoi? C'est envoyer le feu. Les âmes charnelles, c'est quoi? C'est haïr. Haïr son prochain, c'est détester son prochain, c'est des âmes charnelles. Dire que, oh, comme le voisin est sorcier, je ne lui dis plus bonjour. Ça, c'est charnel. Paul dit que les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles. Je ne m'habille bien chez mon père, chez ma mère, chez ma soeur, parce qu'elle est sorcière. Ça, c'est charnel. Et on va le voir tout à l'heure, Ephésiens 6. Qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, on va le voir tout à l'heure. Comprenons le combat spirituel en esprit. Ton papa est sorcier. Est-ce que c'est lui ton problème? Non, c'est l'entité qui travaille derrière lui. C'est l'esprit qui travaille sur lui ton problème. Donc ne vois pas le feu à ton père, mais attaque-toi à l'esprit qui est derrière lui, à l'esprit de sorcellerie. Il dit que les âmes de notre guerre, on apprend que le combat spirituel c'est une guerre. On l'a vu, non? C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre. On apprend que les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles. Mais elles sont comment, frères et sœurs, on peut remettre le passage, mais elles sont puissantes. Quand les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Renversant les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Merci, frère. Les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Pour la destruction des forteresses. Oui, chrétiens, réalisons-le. Que nos âmes sont puissantes. La prière est une âme puissante. Et il y a des conditions pour bien prier. On ne prie pas avec la haine. On ne prie pas avec le manque de pardon. On ne prie pas pour se venger. Si tu pries comme ça, le Seigneur ne va pas écouter. La prière est efficace lorsqu'on prie selon la parole et lorsqu'on prie selon l'esprit d'Elohim. Alléluia. Donc on apprend ici que les âmes qu'on a sont puissantes pour renverser, non pour la destruction des forteresses. Donc par la prière, frère, toutes les entités qui rentrent dans nos familles, nous pouvons les ébranler, les renverser. Voici le combat spirituel. C'est réclamer nos parents dans la prière. C'est réclamer le pays dans la prière. C'est réclamer les nations dans la prière. Parce qu'on va le voir tout à l'heure. Qu'il y a une organisation spirituelle. On va voir l'organisation spirituelle tout à l'heure pour terminer. Et comme vous pouvez le voir, on fera, bien sûr, on aura une troisième et dernière partie vendredi par la grâce du Seigneur pour toucher, pour terminer sur le combat spirituel. Donc, frères et sœurs, on apprend aussi que nos âmes sont puissantes pour renverser les forteresses. Donc, par la prière, par l'intercession, nous pouvons renverser les forteresses. En proclamant la vérité de l'évangile, de la parole, nous renversons les forteresses. On est dans la sanctification, mais nous renversons les forteresses. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la prière est une arme offensive. La prière détruit les forteresses. La prière renverse les forteresses. On a pu le voir avec Yeshua lui-même. C'est un homme consacré dans la prière. Mais comment voulons-nous remporter ce combat spirituel si on prie à peine 2-3 minutes par jour?
On prie juste le matin pour lui Seigneur, merci, merci Yeshua pour la vie. Et après on va prier le soir, merci pour la journée. Alors que de l'autre côté, il y a un royaume qui attaque. Il y a un royaume qui bombarde. Mais nous devons nous lever dans la prière. Dans cette lutte spirituelle, apprend que nos âmes sont puissantes pour la destruction des forteresses. Pourquoi d'autres frères vont remettre le passage encore un instant? Pour la destruction des forteresses, c'est pourquoi? Pour la destruction des forteresses, renversant les raisonnements et tout autant qui se lèvent contre la connaissance d'Elohim. Merci. Donc par les âmes qu'on a, on renverse aussi les raisonnements et les hauteurs. Quelle arme nous permet de renverser les raisonnements et la hauteur? C'est la parole d'Elohim. Donc on apprend aussi que la parole est une arme offensive puissante. Rappelons-nous de Matthieu 4, n'est-ce pas? Satan arrive pour tenter le maître. Il dit, jette-toi, n'est-ce pas? Il est écrit que ton pied ne rentrera pas contre une pierre et tout le reste. Et le machin répond pas, il est écrit. On a vu qu'il n'a pas fait de prière particulière, il a répondu par la parole. Et donc, comme spirituel aussi, nous avons besoin d'utiliser la parole pour rappeler au Seigneur ses promesses. Nous devons proclamer la parole dans le combat spirituel. Pour dire à Satan qu'à la croix, tu as été vaincu. Pour dire à Satan qu'à la croix, n'est-ce pas, tu as été désarmé. On va le prendre tout à l'heure, les frères, retrouvez-nous le passage de Colossiens 2, là. On va prendre Colossiens 2. Il a exposé les divinités à la croix, en clouant d'eux à la croix. Colossiens 2, je pense à partir du verset 12 ou 13 ou 14, 15. On va le prendre. Dans le combat spirituel, on a réalisé que Satan était désarmé. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13, 14, là-bas, frère. On va le prendre. Donc, on est en train de voir les âmes. Nos âmes sont puissantes pour renverser, pour détruire les forteresses et pour amener toute pensée captive à l'obéissance. Colossiens 2, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vais relire le verset 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Merci les frères. Satan était dépouillé. On apprend qu'à la croix, Yeshua a dépouillé les principautés. Qu'il a dépouillé les autorités. Il a fait quoi? Il les a exposés publiquement en spectacle. Dans le combat spirituel, nous sommes des champions. Arrêtons de nous fatiguer avec des prières inutiles comme Seigneur, je réclame mon héritage. Satan n'a rien volé. Parce qu'on apprend ici qu'il était dépouillé. C'est quoi dépouillé? On dit qu'il a été dépouillé à la croix. C'est quoi dépouiller quelqu'un? Dépouiller quelqu'un, c'est prendre ce qu'il a. Dépouiller quelqu'un, c'est arracher ce qu'il a. Dépouiller quelqu'un, c'est désarmer. Satan était désarmé à la croix du calvaire. Qu'est-ce qu'il peut encore te réclamer? Qu'est-ce qu'il peut encore, n'est-ce pas, t'avoir volé? Lui, il peut nous réclamer. Mais il ne peut plus nous avoir. Alléluia. Donc ici, la parole est claire. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Il a pris les âmes que Satan avait. À la croix, il a arraché les âmes de Mami Wata. À la croix, il a arraché les âmes de la débauche, de l'ivrognerie. C'est pourquoi toi, chrétien, tu n'es plus esclave du péché. Il faut que tu le réalises. Il a fait quoi? Il a triomphé d'elle à la croix. À la croix. Donc merci Saint-Esprit pour ce beau passage. Dans le combat spirituel, nous devons réaliser l'œuvre de la croix. Parce que tout s'est passé à la croix. C'est à la croix qu'il a dépouillé les principautés. C'est à la croix qu'il a dépouillé Satan. Satan était dépouillé à la croix. Qu'est-ce qu'on va encore aller réclamer à Satan, frère? On combat maintenant pour garder la foi. On combat maintenant pour ne pas tomber dans les mêmes dérives. Mais on n'a pas de temps à perdre. À se réveiller, n'est-ce pas, chaque minuit, parce que dans nos assemblées, nous avons que les sorciers travaillent à minuit. C'est écrit dans quelle Bible? On a vu dans 1 Pierre 5 là-bas que Satan rôde. Il rôde en permanence. Les sorciers travaillent matin, midi et soir. C'est pourquoi le Seigneur, comme on l'avait vu la semaine dernière, il nous demande de veiller et de prier.
Alléluia. Donc arrêtons, les gens, sortons de la mystification. Et rappelons à Satan par la parole que Satan, tu ne peux rien voler à ma femme. Tu ne peux rien voler à mon enfant. Tu ne peux rien voler à mon mari. Tu ne peux rien voler à ma femme parce qu'à la croix, tu as été dépouillé, tu as été désarmé. Alléluia. C'est pourquoi la parole est une arme puissante pour renverser les raisonnements. Les raisonnements, n'est-ce pas, de ténèbres, les raisonnements familiales et toute hauteur. Dans la parole, renverse les raisonnements, renverse les hauteurs. C'est pourquoi nous devons méditer la parole. C'est pourquoi nous devons aimer la parole parce que c'est une âme puissante. Qui a dit que pour combattre dans le combat spirituel, on a toujours besoin d'être là, rakaya, babababa, pas toujours besoin de ça. Parfois, on a besoin de rester dans le calme et le repos, dans le Shabbat. Et quand Satan voit, n'est-ce pas, des petits esprits nous fatiguer, je me rappelle, merci Saint-Esprit, la parole fait les expériences suivantes. Il y a plus de 5 ans en arrière, Satan physiquement apparu dans ma chambre. Pendant que je dormais, il y a plus de 5 ans même. Il y a plus de 6 ans derrière, en arrière. Plus de 7 ans même en arrière. Et j'étais là, tout apeuré à un moment donné. Et à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, je vois comment fuir, sortir de la chambre rapidement. Lui-même Satan. Et le Seigneur m'a dit audiblement, mon fils, j'ai remporté la victoire à la croix. Dors calmement, dors paisiblement, frère. La paix du Seigneur m'envahit, j'ai dormi calmement. Une autre fois, pendant que je priais, n'est-ce pas, un autre démon m'est apparu physiquement pour vouloir m'effrayer. Le Seigneur m'a dit, j'ai tout vaincu et j'ai avancé. C'est ça. Parfois, on n'a pas besoin d'être là à crier. Oh, je chasse. Oh, je fais comme si je fais cela. Non, on a parfois seulement besoin de rappeler à Satan sa défaite par la parole. Par la parole. Il y a des frères et des sœurs partout des nations avec qui on est, qui vivent des expériences, mais terribles. Moi, simplement rappeler à Satan, tu as été vaincu à la croix, laisse-moi avancer. C'est pourquoi on ne doit pas négliger la parole. La parole est une âme puissante. Parce que c'est par la parole que le Seigneur nous rappelle l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le dépouillement qu'il a effectué à Satan. Alléluia. C'est pourquoi, chrétiens, nous devons, n'est-ce pas, aimer la parole et réaliser les armes que nous avons. La prière est une âme puissante, mais la parole aussi est une âme puissante. Donc ici, on va remettre le passage pour avancer, pour nous permettre d'avancer. Est-ce que les frères ont trouvé, fêtez pas celui-là. On va repartir dans 2 Corinthiens 10. On va repartir dans 2 Corinthiens 10, n'est-ce pas? Donc là, on est en train de parler des armes. On a parlé une part des armes offensives et des armes défensives. Et on évolue pour voir que dans ce combat, nous devons aussi réaliser notre position, notre identité en Yeshua. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que Satan a été dépouillé, a été vaincu à la croix. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait parce que le Seigneur lui a permis à Satan de nous mordre le talon simplement, comme on l'avait vu dans Genèse. Voici pourquoi Satan peut nous combattre, nous attaquer. Ça ne veut pas dire qu'il a le dessus sur nous, non. Amen. Donc, le 2 Corinthiens 10, on va le remettre. 2 Corinthiens 10, c'était le verset 3. Verset 3 et 4. Voilà, car les hommes de notre guerre ne sont pas charnels, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses, renversant les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance d'Elohim et emmenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Amen. Donc par la parole, par cette âme qui est la parole, par cette âme qui est la prière, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Oui, frère. Dans ce combat spirituel, nous avons la victoire. Et beaucoup, le problème, c'est parce que, n'est-ce pas, nous sommes ignorants. Et Paul a été clair, je crois que c'est dans Galates chapitre 4. On va le prendre, Galates chapitre 4 à partir du premier verset. C'est Galates chapitre 4 à partir du premier verset, je crois. Donc, frère, comme vous le savez, nous, on travaille avec l'esprit. Et on ne prépare pas forcément des passages. Galates chapitre 4 à partir du premier verset, il va dire, mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Merci les frères. Donc on apprend ici, on peut l'enlever, que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'étant le maître de tout. Le problème des chrétiens que nous sommes, c'est le problème de l'ignorance.
On ignore beaucoup de choses. On ignore, n'est-ce pas, l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix pour nous. On ignore la victoire qu'on a eue à la croix sur Satan, sur son royaume. On ignore, n'est-ce pas, l'autorité que nous avons. On ignore ces choses, pourquoi? Parce qu'on ne prie pas. On ignore ces choses, pourquoi? Parce qu'on ne médite pas. On ignore ces choses parce qu'on est plus attaché au pasteur qu'à la parole du Seigneur. Chrétiens, vous qui nous regardez, c'est plus le temps de courir après les hommes. C'est plus le temps de courir après les faux pasteurs. C'est le temps de courir après la parole, de courir après le Seigneur. Regardez. Est-ce que tu sais que tu peux avoir chopé un esprit, tu peux avoir chopé une maladie liée à un esprit? Tu pries, toi, seul à la maison, le Seigneur te guérit et te délivre. Sans que tu aies invoqué un pasteur, un homme. Pourquoi? Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Est-ce qu'il y a d'abord de moi d'invoquer les hommes, de courir après les hommes? Vous voyez, non? Et qu'est-ce que ces pasteurs font lorsqu'on court après eux? Ils croient qu'ils sont célèbres. Ils volent, ils escroquent, ils trouvent des stratégies. Alors que toi, seul à la maison, tu invoques le Seigneur. Tu cries à Yeshua pour ta famille, pour ta vie, pour ta maladie, pour ton problème. Il va t'exaucer. Tant que tu pries selon sa parole, tant que tu obéis à sa parole, tant que tu te consacres, que tu te sanctifies, le Seigneur va forcément t'exaucer. Mais vous voyez notre problème? Fais ça. Comme on l'a vu dans Galates. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique étant le maître de tout. Le Seigneur nous a tout donné. Mais parce que nous sommes des enfants, mais parce que nous sommes charnels, mais parce que nous ne voulons pas nous approprier des richesses, des héritages que le Seigneur nous a donné, voici pourquoi Satan nous fait ce qu'il nous fait. Voici pourquoi Satan se joue de nous. Dans notre combat spirituel chrétien, nous avons besoin de comprendre notre position. Nous avons besoin de connaître que nous sommes héritiers. Imaginez-vous, Paul dit dans sa parole que nous sommes. Les frères, vous allez nous rechercher dans Romains, je crois, 8 ou 9. Là-bas, les frères vont nous aider à le retrouver. Que nous sommes héritiers avec Elohim et co-héritiers avec le Machia. C'est dans Romains. J'ai oublié le chapitre 8 ou 9 là-bas, je crois. Dès que vous trouvez le passage, les frères, vous pourrez nous l'afficher. Comment nous sommes héritiers d'Elohim, co-héritiers avec Yeshua? Comment allons-nous trembler devant le cafard, le rat, le chat? Un héritier. C'est-à-dire que si nous sommes héritiers d'Elohim, c'est-à-dire que l'autorité qu'il a, il nous l'a léguée. C'est que la puissance qu'il a, il nous l'a léguée. Pourquoi allons-nous trembler devant le rat? Petit cafard, on voit le feu. Pourquoi, chrétien? Je me rappelle un jour, je dormais, un démon de mort est venu m'attaquer. Excusez-moi de prendre des exemples, mais on veut aussi illustrer la parole par ce que nous-mêmes on vit. Un démon m'a giflé comme ça, il m'a étouffé sur le lit. J'ai commencé à m'étouffer, à partir. J'ai dit, tu me lâches au nom de Yeshua. Il a disparu. Frère, nous sommes des héritiers. Satan va toujours nous attaquer, oui. Parce que le Seigneur a permis cela. Merci les frères. Romains 8 à partir du verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers d'Elohim, en effet, et co-héritiers du Machia. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Merci les frères. Donc on apprend qu'on est héritier d'Elohim et co-héritier du Machia. Sortons de la paresse. Sortons du laxisme, de la peur. Vous savez que la peur est une grosse porte. Donc frères, on va prendre Luc 10 à partir du verset 21 tout à l'heure. Juste pour vous préparer. Sortons de la peur, parce que la peur est une porte terrible. Tu as entendu un bruit sur le toit. Oh Seigneur, oh, j'envoie le feu, j'envoie le sang. Non. Marchons dans l'assurance. Dormons dans l'assurance. David a été clair. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste mendier. Ni sa postérité, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu un juste trébucher, je crois. Ni sa postérité mendiant son pain. Les frères pourront nous aider peut-être à retrouver ce passage dans les psaumes. Pour nous amener à comprendre que le Seigneur nous garde, le Seigneur est fidèle. Dans le psaume 127 là-bas, il dit si l'Éternel ne bâtit, on va le prendre aussi tout à l'heure. Prenons Luc 10. Assurez-moi les frères de vous donner autant de passages. C'est l'Esprit me charge de passages. On est d'abord dans Luc, verset 21. On est dans Luc 10, on va aller à partir du verset 19. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions
Et vu toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Je vais relire. Voici. Non, verset 18, les frères, s'il vous plaît. On monte d'abord verset 18. Verset 18. Mais il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel. Donc le frère dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Satan est chuté, Satan est tombé. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et il dit quoi? Sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne vous fera, rien ne vous fera du mal en aucune façon. Merci les frères. C'est ce que nous possédons. Il dit, Satan a chuté, il a trébuché. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents. Mais qui est le serpent aussi, hein? C'est Satan. C'est-à-dire qu'un chrétien, nous marchons sur Satan. Sur les serpents, les scorpions, il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, sur la puissance de l'éternel, il dit, rien ne vous fera aucun mal. Satan ne peut pas nous faire du mal tant que nous sommes cachés en Yeshua. Tant que nous marchons dans l'obéissance de la sainteté, il ne peut rien nous faire. C'est pourquoi dans le combat spirituel, nous devons regarder notre identité, notre position. On a reçu l'autorité. Autorité de dynamisme. C'est la puissance, une puissance divine, surnaturelle que le Père nous accorde. Cette puissance, cette autorité nous la donne sur la maladie, sur les démons, sur la chair, sur le péché. Nous avons reçu cette autorité chrétienne. C'est pourquoi dans le combat spirituel, on ne peut pas combattre dans la peur. Oh, j'ai peur de sorciers. J'ai peur de marcher la nuit. Oh non, si je siffle la nuit, les sorciers vont voler ma voix. Quel volait ta voix, chrétien? Colossiens était clair. Merci vraiment, les frères, pour votre dynamisme. Donc, on est dans, n'est-ce pas, Psaume, chapitre 37, à partir du verset 25. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Merci, les frères. Et après, on va le faire repartir dans Psaume 127 là-bas. Donc il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Parce que le Seigneur marche avec nous. Il marche devant nous. Notre seule part, c'est de nous battre pour nous sanctifier. C'est de nous battre dans la crainte d'Elohim. Nous battre pour marcher dans l'obéissance, pour prier, pour méditer, pour nous sanctifier, pour garder notre vie à le Seigneur. Satan ne pourra pas nous toucher. Il ne pourra pas nous atteindre. Frère, réalisons-le. Donc, merci les frères. Psaume 127 à partir du premier verset. Cantique des degrés de Shelemo. Si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Yahweh ne garde la ville, celui qui la garde fait le gain en vain. C'est en vain que vous levez, de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de votre douleur. C'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. C'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. N'est-ce pas, non? Il dit, c'est en vain. Mettons le passage pour les frères. Vous allez garder un peu ce passage sur l'écran là. Il dit, c'est en vain que vous vous levez le grand matin, que vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. C'est ainsi qu'il en donne. C'est ainsi qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. Le sommeil du juste est paisible à cause de Yeshua. Gardez le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Verset 3. Voici, les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense d'Elohim. Frères, cherchez-nous aussi dans Psaume 119. Où on dit qu'il ne sommeille ni dort celui qui grade Israël. Vous pouvez nous retrouver ce passage. Merci les frères. Le Seigneur veille sur son peuple. La Bible est claire. Il dit, l'ange de Yahweh campe tout autour de ceux qui le craignent. Qui le craignent et les arrachent du danger. Dans Psaume, je pense, 38. Donc à chaque fois, les frères, pour nous trouver les références pour les frères et les sœurs qui nous regardent. On donne tous ces passages pour nous rassurer dans Yeshua. N'aie plus peur de dormir la nuit. N'aie plus peur, n'est-ce pas, de dormir dans le noir. Même si tu es dormi dans la chambre, dans l'obscurité, n'aie pas peur. Aucun démon ne peut t'atteindre. N'aie plus peur de prendre le taxi le matin. Parce que souvent, nous, on se dit que le Seigneur nous garde lorsqu'on va se réveiller, on va prier, Seigneur, je te recommande ma journée, accompagne-moi. Je prie pour le taxi que je vais emprunter. Oui, on doit le faire parce que la prière marque notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Mais la parole est claire, que l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Yahweh nous garde pourquoi? Parce qu'on craint son nom. Yahweh nous garde pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Ce n'est pas d'abord parce qu'on fait une prière qu'il nous garde. Il nous garde parce que nous sommes son peuple. Parce que nous sommes ses enfants.
Donc on est dans le psaume, n'est-ce pas, chapitre 121. À partir du premier verset, on va lire à partir du premier verset. Cantique pour les degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est écrit. Celui qui te garde ne sommeillera pas, chrétien. On va pas lever le passé un instant, frère. La parole du Seigneur m'excite, excite mon âme. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Le feu ne va pas permettre que nous connaissions la chute si nous graissons sur sa parole. Le feu ne permettra pas que les démons, les sorciers de nos familles nous mangent. Oh, moi j'ai peur des sorciers de la famille. Ils vont nous manger. Il a mangé l'enfant qui était dans le ventre de ma femme. Quel sorcier va manger l'enfant qui est dans le ventre de ta femme, chrétien? Tant qu'on n'ouvre pas des portes, je le précise, tant qu'on n'ouvre pas des portes par le péché, tant qu'on n'ouvre pas des portes par la peur, Satan ne peut pas nous atteindre. Il ne peut rien nous faire, c'est écrit. Le feu ne permettra pas que notre pied chancelle. On va remettre le passage, frère, s'il vous plaît. Fais la parole. Dans ce combat, on doit résister notre position. Voici, verset 2. Non, verset 3, merci les frères. Merci pour votre travail, que le Seigneur vous bénisse. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Donc on apprend que celui qui nous garde ne dort pas. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Voici, on apprend qu'il ne sommeille ni ne dort. On va qu'on lève le passage, s'il vous plaît, chrétien. Enlevons le passage un instant. Sommeiller. Et dormir, sommeiller ou pas de somnoler, tout ça. Donc on apprend que le Créateur, qui est notre Père, qui nous garde, il ne sommeille pas. Donc il ne somnole même pas. On dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc il ne s'assoupit jamais. Dors dans la paix du Mashiach. Le sorcier de ta famille ne peut pas te toucher, chrétien. Pourquoi? Parce que celui qui nous garde, qui garde l'église, qui garde son peuple, on apprend qu'il ne sommeille, il ne dort pas. C'est pourquoi tu ne peux pas passer toute ta vie chrétien. Il y a des chrétiens qui ne dorment jamais la nuit. Toujours les insomnies parce qu'ils ont peur des sorciers. Toute la vie, toute leur vie chrétienne, toutes les nuits sont toujours dans la prière de combat. Oui, c'est une bonne chose parfois de se réveiller la nuit pour prier. Mais la nuit est d'abord faite pour dormir. La nuit, ce n'est pas fait pour combattre les sorciers. La nuit est faite pour dormir dans la nuit, chrétien. Mais on est d'accord que par obéissance au Seigneur, si nous réveillons la nuit pour prier, pour toutes sortes, pour tout type de sujet de prière, on se réveille sagement et on obéit. Mais la nuit, dormons, ronflons, parce que c'est pas à nous de veiller sur nous. Celui qui veille sur nous s'appelle Yeshua. Et il est sommeil, il dort. Arrête d'avoir peur de ton voisin. Je me rappelle un vieux buddhiste à l'époque qui avait voulu me tester spirituellement. Il m'a sciencé, il m'a regardé droit dans les yeux. Moi aussi je l'ai regardé. Et puis il a baissé le regard, il a dit, petit, tu as quelque chose en toi qui est pur. Mais c'était le Seigneur. Il m'a dit, non, tu vois mon banja qui est ici. Je vais faire ressusciter les morts ici, les esprits, j'ai fait les choses bizarres, tout cela. Moi je me suis opposé, je lui ai prêché l'évangile. Et lui-même, Nganga qu'il était, malheureusement pour lui ou heureusement, il a eu un fusil nocturne. Son pied s'enflait. Mais j'ai dit, papa, il n'y a pas de souci, on va prier pour toi. On a prié pour son pied, le Seigneur l'a guéri. N'aie pas peur du bouddhiste, du Nganga, du charlatan de ton quartier, il ne peut rien te faire. Parce que celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. C'est Yehoshua. C'est le gardien de nos âmes. C'est le gardien de nos vies. Dans ce combat spirituel, on le voit là, que le Seigneur combat avec nous, combat pour nous. On va remettre le passage, frère, s'il vous plaît, sur l'écran. Aujourd'hui, je crois qu'on va prendre un peu plus de temps que d'habitude. On va remettre le passage sur l'écran de Matthieu, du psaume. On est au verset 5. Yahweh est celui qui te garde. On apprend que Yahweh est celui qui nous garde. On dit Yahweh est celui qui te garde. Yahweh est ton ombre à ta droite. Yahweh est notre ombre, il est notre toiture. On va encore lever le passage, s'il vous plaît, frère. L'ombre nous parle de quoi? On bénit le Seigneur vraiment pour le passage que le Saint-Esprit, pour les passages que le Saint-Esprit nous inspire ce soir, qu'on avait du tout préparé.
Il dit que le Seigneur est ton ombre. L'ombre nous parle de quoi? De la couverture. Donc on apprend ici que notre couverture spirituelle, ce n'est pas notre pasteur. Mais notre couverture spirituelle fait Yahshua, parce qu'il est notre ombre. Donc chrétien, ton pasteur qui va te dire que ma fille, tu dois payer la dîme et les offrandes, parce que c'est moi qui prie pour toi, c'est moi qui intercède pour toi, pour ne pas que les anges t'attaquent, tu vas dire papa, c'est pas ce que ma Bible me dit. Ma Bible me dit que mon ombre, c'est mon Seigneur. Ma Bible me dit que ma couverture spirituelle, c'est mon Seigneur. C'est ça ici. Notre couverture spirituelle, c'est Yahshua. Amen. On bénit le Seigneur pour les passages qui nous inspirent, qu'on n'a pas préparé. Amen. On n'a pas préparé tous ces passages. Donc on apprend que notre couverture spirituelle, ce n'est pas notre pasteur. Ton pasteur, ton prophète, ton apôtre n'est pas ta couverture spirituelle. Lui-même, c'est un homme comme toi qui est faillible, il a ses propres combats. On doit s'attacher à Yeshua parce que c'est lui qui est notre couverture spirituelle. C'est lui qui veille sur nous. Regardez frère, merci Saint-Esprit. Quand le Seigneur a dit ici, dans le psaume qu'on vient de lire, qui ne sommeille ni ne dort, je vous pose une question. Nos pasteurs, nos prophètes, apôtres, est-ce qu'ils ne dorment pas, ils ne sommeillent pas? Si, parce que c'est des hommes. Alors pourquoi non leur accorder, n'est-ce pas, notre protection? On va dire, papa, protège-moi. Non, celui qui nous protège, qui nous garde, c'est Yeshua. On doit se détourner de cet évangile de couverture spirituelle. La couverture spirituelle que tous les chrétiens ont, c'est Yeshua. Moi, tu vas me dire, frère, sois ma couverture spirituelle, je vais te couvrir spirituellement comment? Moi-même, quelqu'un me couvre spirituellement en la personne de Yeshua. La nuit, je dors, je ronfle, je suis paumé, fatigué pour moi. Je vais ta couverture sur la base de quoi? Faut pas qu'on monte aux chrétiens. Ce pasteur, il a deux yeux, il a deux mains comme toi, deux oreilles, il a une bouche. Celui qui a les sept yeux, c'est Yeshua, les sept yeux de l'éternel, les sept yeux de Yahweh, celui qui parcourt la terre, qui voit toutes choses. Voici pourquoi il peut bien nous cacher, il peut bien nous couvrir. Et Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, on va aussi le lire, frère. Merci les frères. On va prendre Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset. On parle du combat spirituel. Donc on est en train de voir, n'est-ce pas, plusieurs axes selon que le Saint-Esprit est en train de conduire. On va encore prendre même 20 minutes et puis on va finir. Donc on va prendre encore Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset. Si donc vous êtes resté avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut où le Mashiach est assis à la droite d'Elohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3 qui nous intéresse. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Merci frère, on peut enlever le passage. Donc on apprend qu'on est mort et notre vie est cachée dans le Mashiach en Elohim. On est caché en Yeshua. C'est Yeshua notre couverture spirituelle dans ce combat spirituel. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Oui, donc le Seigneur permet qu'on voie toutes ces choses pour encourager les chrétiens. Oui, le combat spirituel existe. Le combat spirituel est réel. Oui, les sorciers existent. La sorcellerie existe. La franc-maçonnerie, l'occultisme, toutes ces choses. Mais devons-nous avoir peur? Non. Devons-nous trembler devant un sorcier? Non! Mais au contraire, de façon personnelle, je ne le lis pas sous l'influence de quelqu'un. Mais quand on me dit que quelqu'un est sorcier, moi ça m'excite, j'aime cela parce que j'ai envie de tester ce que la parole dit. Quand on me dit que quelqu'un est sorcier, moi je le salue. J'ai fait l'expérience avec beaucoup de sorciers qui ont eu peur de me saluer. Parce que nous avons le lion en nous, le lion de Judas. On va encore prendre ce passage aussi dans 1 Jean là-bas. Les frères vont nous aider à le retrouver. Que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je pense à 1 Jean 2 ou 1 Jean 4, s'il vous plaît, les frères. Tous ces passages, c'est pour encourager les chrétiens. Sortons de la peur parce que la peur est une porte. La peur est une porte. Si tu as peur des sorciers, tu as peur des démons, tu as peur des esprits, ils vont te posséder. Si tu as peur des sorciers, ils vont jouer avec toi. Moi, je peux faire un songe, sur moi, je suis mort, je me réveille, je bénis le Seigneur et puis j'avance. Pourquoi? Parce que je n'ai pas avoir peur du démon de la mort. Le démon de la mort était vaincu à la croix. Et puis après, en même temps, c'est que je me dis souvent, Seigneur, si je dois mourir, mais je meurs dans la foi, je vais au ciel me reposer. Alléluia! Dans notre combat spirituel, nous ne devons pas craindre la mort, craindre les sorciers et les démons. Oui, le passage des frères, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Petits enfants, vous êtes d'Elohim. Et vous avez remporté la victoire sur eux,
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci les frères pour votre travail magnifique. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, mais c'est Satan. Les sorciers, les principautés, les divinités, tout ça c'est le monde. Mais on dit que celui qui est en nous est plus grand. Oh frère, pourquoi allons-nous trembler devant Satan? Ne tremble plus devant Satan. Ne tremble plus devant les sorciers. Bénissons-les, aimons-les, ayons pitié d'eux. Pourquoi on doit, je vous assure frère, au lieu d'haïr, de détester les sorciers, on doit avoir pitié d'eux. Parce qu'ils souffrent. Les sorciers souffrent. Ils ont signé des alliances dans lesquelles ils n'arrivent plus à sortir. Ils ont leur témoigner de l'amour. Alléluia. Donc voilà un peu, frère, l'attitude, la position du chrétien, l'autorité que le Seigneur nous accorde dans le combat spirituel. Donc, on a vu plusieurs points. On a vu l'identité du chrétien face au combat spirituel. On a parlé de quoi? On a aussi parlé, n'est-ce pas, de la position du chrétien dans le combat spirituel. On a aussi parlé, n'est-ce pas, de celui qui nous garde dans le combat spirituel, de celui qui combat pour nous. Notre position, c'est d'être au pied du Seigneur. Donc, on va terminer avec un dernier point et on poursuivra le vendredi par la grâce du Seigneur. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Donc, on va un tout petit pas. On va finir juste avec l'organisation un peu dans le royaume des ténèbres, dans ce combat spirituel. Donc, comme on a déjà pu le voir, frère, notre combat n'est pas charnel. Donc, Romains, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. On va enlever le passage un instant. Donc, qu'est-ce que Paul ici nous enseigne? Que l'armure nous sert pour résister face aux ruses du diable. Donc, nous devons avoir notre armure en permanence parce que cette armure nous permet de résister aux ruses du diable. On va, n'est-ce pas, repartir sur le verset. Merci les frères. Verset 11. Non, là le verset 11, on va lire le verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Amen. On va encore enlever le passage un instant les frères. Donc on apprend ici que notre lutte n'est pas contre la chair, n'est pas contre le sang. Qu'est-ce que Paul ici nous amène à comprendre simplement? Que le combat spirituel dont on entend parler depuis il y a deux émissions ne concerne pas l'homme. L'homme n'est pas notre adversaire, l'homme n'est pas notre ennemi. Toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie, qui font du mal, souffrent et ont besoin de la miséricorde du Seigneur. Toutes ces personnes, n'est-ce pas, sont des personnes qui sont sous l'influence, sous la domination de certaines puissances. Donc Paul ici nous apprend que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. La chair et le sang nous parlent de qui? La chair et le sang nous parlent de l'homme, de l'être humain simplement. Donc arrêtons de nous centraliser sur l'homme, à envoyer le feu, à déclarer des paroles de malédiction, à demander à la carabine spirituelle, n'est-ce pas, de toucher, n'est-ce pas, nos parents qui sont sorciers. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Donc tout à l'heure, on va voir contre qui s'adresse le combat spirituel, contre qui on doit combattre. Donc on apprend du gars que ce combat, c'est pas contre la chair et le sang. Donc on va voir contre qui nous devons combattre. On repart sur le passage, les frères. On finit dans quelques minutes. Parce que notre lutte ou notre combat n'est pas contre la chair et n'est pas contre le sang et la chair, mais contre premièrement les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc on va garder le passage un instant sur l'écran. Donc ici, on va parler plus ou moins de l'autorité, on va parler un peu de l'organisation spirituelle du royaume des ténèbres. Comment les choses sont-elles organisées et contre qui on doit combattre? Donc on apprend ici qu'on doit combattre, on combat contre les principautés. Les frères, est-ce que vous pouvez mettre le curseur sur le petit 7 de principauté? Le curseur sur le petit 7.
Donc, le principauté vient du grec arche, qui signifie commencement, origine, la personne ou la chose qui commence, la première personne ou le chef d'une série, le premier chef. Amen. On va lever le passage. Donc, les principautés nous parlent de celui qui commence ou du premier chef. Et le premier chef du royaume des ténèbres, de la ténèbre, c'est qui? C'est bien sûr Satan. Donc, nous, le combat spirituel, notre premier adversaire, c'est Satan. Donc ici, Paul nous donne l'organisation spirituelle. Donc, il nous parle des principautés. Oui, principauté est mis au pluriel parce que la première principauté du royaume des ténèbres nous parle d'abord de Satan. Et deuxièmement, les principautés aussi nous parlent, n'est-ce pas, des démons territoriaux. Des démons des pays, des démons territoriaux. Les frères vont nous retrouver l'histoire dans Daniel 9, là-bas 21, avec le démon de Perse qui s'est opposé à Gabriel. Donc, dès que vous trouvez cette histoire dans Daniel 9, à partir du verset 21, je crois, vous pourrez l'afficher. Donc, premièrement, dans ce combat, notre premier adversaire, c'est Satan. Et deuxièmement, dans le royaume des ténèbres, on nous dit qu'après Satan, il y a les démons des pays, les démons territoriaux. Vous voyez que cette catégorie de démons possède toute la nation, possède tout le pays. Donc, les principautés de pays, les démons territoriaux. C'est contre ces démons de territoire que nous devons lutter, que nous devons prier. Comme au Gabon, l'un des principaux démons, n'est-ce pas, des principales divinités, n'est-ce pas, c'est Mami Wata, parce que le pays a été vendu à cette divinité. Une autre divinité du pays, c'est la franc-maçonnerie. Une autre divinité du pays, c'est la religion. Une autre divinité du pays, c'est l'orgueil. Il y a autant de divinités comme ça. Donc, vous voyez que nous combattons premièrement contre Satan. Deuxièmement, nous combattons contre les principautés, contre les démons des territoires, les démons des pays. Donc ça c'est un peu l'ordre. L'organisation spirituelle, les démons de territoire, les démons territoriaux. Donc quand les frères trouveront le passage, ils pourront l'afficher. Donc Daniel 10, c'était pas 9, c'est Daniel chapitre 10. Donc on va pas tout lire, mais on comprend que Daniel a fait une prière, une requête au Seigneur. Et à partir du verset 13, on dit: mais le chef du royaume de Perse s'est tenu debout devant moi 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours et je suis resté là près des rois de Perse. Donc on nous parle du chef du royaume de Perse qui était un démon. On va l'enlever, merci frère. Donc on voit ici que le démon de Perse, la principauté du royaume de Perse, s'est opposée à Gabriel. Ce n'était pas un démon physique. C'était spirituel, c'était une divinité parce que Gabriel c'est un ange messager. Et on doit retenir que de la même manière qu'au ciel, il y a une organisation spirituelle. Vous avez les archanges, les chérubins protecteurs, les séraphins, n'est-ce pas? Le royaume de Satan aussi a cette organisation. Donc Satan lui a mis le chef et après on a les démons de territoire, les démons de pays, de ville, les démons de pays, les princes, les rois, comme on l'a vu. On a vu que ce démon, ce roi, ce démon de Perse s'est opposé 21 jours à Gabriel. Alors que qui avait envoyé Gabriel? Gabriel avait été envoyé par Yahweh lui-même pour donner la réponse à Daniel à sa prière. Mais pendant 21 jours, le démon du territoire du royaume de Perse a bloqué Daniel. A bloqué Gabriel autant pour moi. Donc on voit que les démons de pays sont des démons, n'est-ce pas, qui s'opposent à l'action de l'esprit. Comme ici. Les démons des territoires, des pays, sont les démons qui s'opposent à nos prières. C'est pourquoi nous devons combattre. Parce qu'on a vu que Daniel était un homme consacré, que Daniel craignait le Seigneur, mais ça n'a pas empêché que le démon de Perse bloque la réponse à sa prière pendant 21 jours. Donc voici nos adversaires, les démons de pays, les démons territoriaux, les rois territoriaux, les divinités auxquelles nos pays ont été consacré, vendu. Voici contre qui nous devons lutter. Donc notre premier adversaire, c'est Satan. Deuxièmement, les principautés. Et les principautés nous parlent beaucoup plus des princes, des rois, des démons de pays, des démons de territoire. Et sachant qu'en tant que chrétien, les démons de territoire, les démons territoriaux nous s'opposent à nous. À chaque fois qu'on prie pour le pays, compris pour la nation, sachant que le démon du territoire du Gabon va nous attaquer. Et on a vu ici qu'il s'est opposé à un ange, à Gabriel, qui était envoyé depuis le trône du Père pour donner la réponse à Daniel.
Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Que ce démon-là, n'est-ce pas, s'oppose aux réponses du Seigneur pour le pays. S'oppose à l'action du Seigneur sur toute la nation. C'est ça l'organisation. On a d'abord Satan, et on a après les démons de pays, de villes, les démons territoriaux. Donc voici un peu l'organisation spirituelle du royaume des ténèbres. Donc arrête de t'embêter, de t'embrouiller avec ton frère ou ta sœur. C'est pas lui ton problème. Ton problème c'est Satan premièrement. Ton problème c'est les démons territoriaux. Pourquoi? Parce que les démons territoriaux bloquent tout le pays. On brigade spirituellement toute la nation. Et généralement, le pays est consacré seulement aux démons territoriaux. Vous allez voir que dans tous les pays, c'est pas la même chose. Les démons du territoire du Gabon, c'est pas les mêmes démons qu'au Cameroun, qu'en France, qu'en Italie et partout. Et en tant que chrétiens dans un pays, le Seigneur demande de nous opposer, de confronter les démons territoriaux. Et pourquoi on demande d'avoir l'armure? Parce que seulement les démons du territoire vont nous attaquer. Et on doit être conscient de cela. On va repartir sur le passage, merci les frères. Donc dans l'organisation spirituelle du royaume des ténèbres, on a Satan lui-même, deuxièmement les démons territoriaux, oui, troisièmement, on est dans Ephésiens 6, les frères, s'il vous plaît. Donc on attend que les frères affichent le passage. Merci vraiment pour votre travail. On est au verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, verset 12, mais contre les principautés, contre les autorités. On va enlever encore le passage. Les autorités nous parlent de quoi? Donc on a parlé de démons des pays, mais les autorités nous parlent de démons, peuvent nous parler de plusieurs catégories de démons, d'une autre catégorie, n'est-ce pas? Ce sont des démons qui ont une domination, une autorité sur les quartiers, sur des villages. Donc on a parlé des principautés. Les principautés c'est plus tout le territoire de façon globale. Mais les autorités nous parlent de qui? De ces démons qui ont des influences sur des quartiers, qui ont des influences sur des villages, qui ont des influences sur des villes. Vous voyez que dans nos quartiers, il y a des démons qui travaillent. Dans tel quartier, ça peut être la débauche. Dans d'autres quartiers, c'est le braquage. Nous devons combattre contre ces démons, ces démons de ville, ces autorités. On les appelle les autorités, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une autorité démoniaque de sacrifier, de bloquer complètement des quartiers, des villages et des villes. Amen. Et voici le vrai combat des chrétiens dans la lutte spirituelle. Nous devons réclamer les populations de nos quartiers. Nous devons réclamer les populations de nos villes. Nous devons réclamer les populations de nos familles, de nos villages. Voici le combat spirituel sous sa forme spirituelle. Satan, les démons de territoire, les démons de ville ici, les démons de village, de quartier, qui tiennent des familles entières captives. On va remettre le passage sur l'écran. Pour la troisième catégorie. Contre les seigneurs du monde de ténèbres de cet âge. On va encore lever le passage. Donc ici on nous parle des seigneurs. C'est la même catégorie aussi que les précédents, les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge. Ce sont des démons qui embrigadent des villes, qui embrigadent des territoires, qui embrigadent, n'est-ce pas, des quartiers, qui embrigadent des familles. Et les autorités aussi, les autorités, seulement s'il y a les démons des familles qui tiennent captives des familles tout entières. Les autorités aussi, avaient aussi les familles. Et après, on a les seigneurs dans le monde des ténèbres. Ce sont des démons qui sont dans l'air. Les seigneurs, là, ce sont les démons, n'est-ce pas, les esprits qui sont lâchés dans l'air. Partout dans les familles, dans les quartiers, dans les nations. Vous voyez que le combat est acharné. Et si on n'a pas revêtu l'armure spirituelle, on ne pourra pas tenir, on ne pourra pas s'en sortir dans ce combat spirituel. Donc on va finir là juste avec l'organisation spirituelle. Et à partir du vendredi prochain, on va terminer avec les armes et on verra d'autres points. Je serai peut-être avec quelqu'un d'autre aussi si le Seigneur permet. On va remettre le passage sur l'écran. Donc on nous parle contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge. Donc on nous parle des seigneurs, de tous ces seigneurs, de tous ces esprits qui règnent. Nous avons enlevé le passage, excusez-moi les frères. Un seigneur c'est quoi? Un seigneur c'est quelqu'un qui a une influence, une domination sur des sujets. Donc on comprend que les seigneurs sont des esprits de débauche, des esprits de sexe. Ces esprits-là qui tiennent captifs des personnes. Merci Saint-Esprit. Donc on a les principautés qui gère sur le territoire.
On a vu les autorités qui gèrent sur les villes, les quartiers, les familles, n'est-ce pas, qui règnent. Et si on a les seigneurs qui règnent dans, sur les vies maintenant. Les seigneurs, là, c'est beaucoup plus sur les vies. Merci, Saint-Esprit. Donc, on voit que le Seigneur a des sujets. Et les seigneurs sont tous ces esprits qui sont jetés là. L'esprit de sexe, de débauche, d'ivrognerie, qui tiennent des hommes captifs, qui tiennent des femmes captives, qui tiennent des familles captives. Ça, c'est les seigneurs. Et on va repartir sur le passage. On termine dans quelques minutes. Quand les seigneurs du monde de cet âge, j'ai vu jungle, je ne sais pas qu'est-ce que les frères disent, et contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. On peut enlever, on va enlever. On nous parle ici pour terminer des méchancetés qui sont dans les lieux célestes. Ça, c'est la dernière catégorie. Ils ont des esprits qui sont dans l'air. C'est plutôt eux qui sont dans l'air. Ils ont des esprits qui sont dans l'air, dont appartient à la catégorie, n'est-ce pas, des sorciers, des sirènes, des eaux. La dernière catégorie des esprits qui travaillent, c'est cette catégorie des esprits méchants. Donc, les esprits méchants, les esprits de sorcellerie, les esprits des eaux sont les esprits qui travaillent, qui sont là dans l'air. On parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les esprits qui travaillent dans l'air, qui travaillent au quotidien. Donc on voit que dans cette hiérarchie spirituelle du royaume des ténèbres, on a les principautés. On a d'abord en tête Satan, on a les principautés, les démons qui travaillent dans les territoires, on a les autorités qui travaillent dans les villes, les quartiers, les villages, tout ce que vous voulez. Et on a les seigneurs qui travaillent dans les vies, qui travaillent dans les familles pour les détruire. Et on a aussi cette catégorie qui travaille dans l'air, les esprits méchants. Voici nos adversaires dans ce combat, dans cette lutte spirituelle. On n'a pas cité ici ton voisin, ton prochain. On a cité des entités spirituelles qui œuvrent et qui travaillent. Et voici pourquoi la parole nous encourage à nous revêtir de toutes les armes du Seigneur. Donc, je sais que l'enseignement est assez vaste. Donc, par la grâce du Seigneur, le vendredi, on va poursuivre. On verra maintenant l'armure et on verra d'autres points comme le Seigneur pourra le permettre. Donc, voilà un peu, frère, ce que je pouvais voir. On pouvait voir avec vous aujourd'hui concernant le combat spirituel. C'est un thème vaste. Notre adversaire, c'est Satan, c'est les principautés, c'est les autorités, c'est les seigneurs, c'est les esprits méchants, c'est pas l'homme. Parce que l'homme, c'est la chair et le sang. Et on peut voir que même ces sorciers que Satan utilise, c'est des hommes après qui périssent, qui meurent mal. Qui meurent mal. Qui meurent des maladies horribles. Parce que ils ont fait beaucoup de mal. Mais vous voyez que ces démons-là demeurent de génération en génération. C'est eux qu'on doit véritablement combattre. Car ce sont ces esprits qui détruisent nos familles, qui détruisent les villes, qui détruisent les vies. Donc, levons-nous dans la prière en tant qu'armée du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la paix. Bonne soirée à vous. Merci.